Bonjour à tous mes fidèles sujets. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray du mois de novembre. Donc on débute tout de suite avec le Blu-ray de Cloud Atlas. Voilà, donc c'est un film de 2012 réalisé par les sœurs Wachowski et Tom Tykwer avec une pléiade d'acteurs dont Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Hugh Grant, Jim Sturgess et Bae Donna. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors j'ai revu le film et au niveau du Master HD c'est vraiment un sans faute. De la finesse des détails à la richesse des palettes des couleurs propres à chaque époque visitée en passant par la profondeur de champ exploitée par les trois réalisateurs, tout y est. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve de petits documentaires. Donc il y a un film unique, histoire liée, une adaptation impossible, l'essence de l'acteur, les mystères de Cloud Atlas, la science-fiction de Cloud Atlas, amour et désir perpétuel. Alors, le pitch du film, de quoi ça parle? À travers une histoire qui se déroule sur 5 siècles, donc plusieurs espaces-temps, des êtres se croisent et se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et renaissant successivement. Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur parcours dans le passé, le présent et l'avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié. Alors Cloud Atlas revisite les films de science-fiction, une œuvre intelligente, rarement vue au cinéma. Les réalisateurs de Matrix ont fait très fort avec ces 6 époques, 6 histoires différentes bien ficelées. Les musiques sont magnifiques et tous les acteurs sont excellents, de Tom Hanks à Halle Berry en passant par Hugo Weaving entre autres. C'est du grand spectacle, donc je suis vraiment content de l'avoir récupéré dans la collection pour 6 € dans un Easy Cash. Alors on continue avec le Blu-ray de La Manière Forte. Donc c'est édité par Universal. Voilà. Alors j'ai vu le film et j'ai trouvé le Master HD vraiment propre, donc fine, bien détaillée et relativement respectueuse du grain cinéma. L'image du Blu-ray nous propose de plus des couleurs et des contrastes impeccables. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur John Badham, Rob Cohen et Daniel Kremer, et un documentaire, une ode au buddy movie par Rania Griffith. Alors, au niveau du pitch du film, donc Nick Lang, dont la célébrité à Hollywood n'est plus à faire, décide de donner un nouvel élan à sa carrière en incarnant dans son prochain film un policier au caractère bien trempé. Pour cela, il part à New York, rejoindre celui dont il sera momentanément le coéquipier attentif, le vrai policier John Moss. L'inexpérience de l'un et les intrépidités de l'autre vont les entraîner dans de nombreuses péripéties. Alors concernant le film, je l'ai découvert ici, donc en Blu-ray récemment. J'ai bien apprécié ce buddy movie rythmé, assez drôle, avec un duo Michael J. Fox-James Wood qui fonctionne à merveille. Bref, un petit achat Blue Cats, donc je suis content également de l'avoir rentré dans la collection, vraiment à un petit prix. Alors, j'enchaîne avec le Blu-ray du mystère Von Bülow. Donc, c'est un film de 1990 réalisé par Babette Schroeder avec dans les rôles principaux Glenn Close, Jeremy Irons et Ron Silver. Donc, c'est édité par l'Atelier d'Images. Je ne sais pas si on le voit bien. Non. Voilà. Alors, donc, j'ai revu le film. L'image a bénéficié d'une restauration qui a effacé toute marque de dégradation de la pellicule, ravivé les couleurs parfaitement étalonnées et contrôlé le grain sans dénaturer la texture argentique. Bref, une réussite. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un entretien avec le réalisateur Babette Schroeder, un entretien avec Alan Dershowitz, avocat, et son fils Elon Dershowitz, producteur, un espace découverte habituel chez l'atelier d'images et une bande-annonce d'époque. Alors, concernant le pitch du film,
Donc, une des plus riches héritières des États-Unis, Sonny Von Bülow, est retrouvée dans un coma profond provoqué par une surdose d'insuline. Son second mari, Klaus, personnalité inquiétante et charismatique, est instantanément accusé d'avoir tenté de l'assassiner et est condamné à 30 ans de prison. Décidé à prouver son innocence, il obtient le concours du célèbre avocat Alan Dershowitz, qui, aidé de ses étudiants, va mener une enquête riche en révélations pour le disculper. Le procès ultra-médiatisé qui va suivre sera la dernière chance d'éclaircir le mystère Von Bülow. Donc vraiment, inspiré d'un fait divers jamais élucidé, Barbet Schroeder réalise un passionnant polar sophistiqué sur une jet set ambiguë à l'interprétation parfaite de Glenn Close et Jeremy Irons, ce dernier décrochant même l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Donc c'est un achat Blue Cats également. Voilà, donc ça rentre dans la collection à petit prix aussi, donc je suis bien content. Alors, je continue donc avec le Blu-ray des Diaboliques. Donc c'est un film de 1955 réalisé par Henri-Georges Clouzot, avec dans les rôles principaux Simone Signoret, Vera Clouzot et Paul Meurice. Donc il y avait bien une édition héritage chez TF1 Vidéo qui est malheureusement épuisée ou hors de prix. Alors je me suis tourné en fait vers cet import UK Criterion, avec une VF évidemment. Donc même si apparemment l'édition TF1 avait bénéficié d'une restauration de meilleure qualité niveau image que cette édition Criterion, je suis quand même assez satisfait globalement. Une grande partie de l'image dégage une douceur innée malgré quelques flous, et le contraste est bon et les niveaux de noir vraiment profonds. Au niveau de la piste sonore, on a donc uniquement du LPCM mono 1.0 et des sous-titres anglais pour les anglais évidemment. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio d'une scène sélectionnée par le spécialiste du cinéma français Kelly Conway, une introduction de Serge Brumberg, réalisateur du documentaire L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot d'après l'Enfer, donc c'est un film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, un entretien avec la romancière et critique du cinéma Kim Newman, la bande-annonce originale et enfin une étude du film par le critique de cinéma Terence Rafferty. Alors, au niveau du pitch de l'histoire. Donc, dans une institution destinée à l'éducation de jeunes garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel de la salle, s'associent afin d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de Michel disparaît. Donc, concernant le film, découvert à la télévision, c'est désormais un classique du genre et il porte merveilleusement bien son nom. Il constitue l'un des sommets du cinéma français, l'intrigue est géniale et le suspense fonctionne parfaitement, même quand on connaît la clé, on va dire. Les acteurs sont au top et c'est vraiment un plaisir de les voir jouer. La galerie de second rôle n'est pas en reste également. Donc, j'ai acheté cette édition donc à 16 € sur Amazon UK, ce qui reste un bon prix à mon sens. Donc je suis très content de rentrer ce film dans ma collection. Alors, je poursuis donc la présentation de mes achats avec le Blu-ray de Milliardaire malgré lui. Donc, c'est un film de 1994 réalisé par Andrew Bergman, avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Bridget Fonda et Rosie Perez. Donc, c'est édité par Sony Pictures. J'ai revu le film et l'image délivrée est toute propre, avec une photographie douce, avec des couleurs guillerettes et des contrastes sympathiques. Mais en grosse panne de définition. C'est peut-être un peu plus dynamique qu'en DVD, mais il faut vraiment se pincer pour croire qu'il s'agit d'une image HD. Hein. Au niveau des pistes sonores, donc on a du Dolby True HD pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant. Il n'y a rien du tout. Hein. Malheureusement. Donc le pitch du film, Charlie Lang est un bon flic et un gentil garçon. Sa femme, en revanche, est une horrible mégère, ne rêvant que de gloire et de fortune dans son minable salon de coiffure. Appelé en mission, alors qu'il prenait un café dans un bar, Charlie laisse en guise de pourboire à la serveuse Yvonne la promesse de partager les gains de son billet de loto. Donc, concernant le film, je l'ai découvert en cassette vidéo. Ben voilà, l'idée de départ est amusante et le duo Cage Fonda très séduisant. Ça ne vole pas forcément très haut, mais ce n'est pas du grand cinéma. Mais c'est suffisamment léger, joyeux et rythmé pour emporter l'adhésion familiale. Voilà, donc c'est un petit achat Blue Cats également. Donc ça rentre dans la collection à petit prix aussi.
Alors, j'enchaîne avec le Blu-ray de The Faculty. Donc, c'est un film de 1998 réalisé par Robert Rodriguez avec une pléiade d'acteurs dont Cléa Duval, Josh Hartnett, Elijah Wood, Famke Janssen, Salma Hayek et Robert Patrick. Donc, c'est un apport UK avec VF. Donc, c'est édité par Paramount. Voilà. Donc j'ai revu le film, l'image propose souvent de beaux plans, certains se voient néanmoins parfois bruités, pas toujours très précis. Un infime grain inonde l'écran, les couleurs s'affichent efficacement et les détails s'expriment avec plus ou moins de force. Bref, ça reste perfectible, mais on conserve tout de même de bonnes conditions de visionnage. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant total, il n'y a rien du tout. Alors, concernant le film, découvert au cinéma, ça reste une excellente série B de SF que j'ai pris plaisir à revoir sur le thème de l'invasion extraterrestre, avec tous les visages connus du genre. Robert Rodriguez livre au passage un bon coup de pioche à l'ordre moral. Ben ouais, seuls les teenagers qui sniffent peuvent échapper à la contamination. Donc, je suis content de l'avoir récupéré à 11 euros sur Rakuten, chez le vendeur Rareways, qui fait souvent de bons petits prix et de le rentrer dans la collection. Voilà, ça fait plaisir. Donc le Blu-ray français est en hors de prix actuellement. Alors, on poursuit avec le Blu-ray de Will Hunting. Donc c'est un film de 1997 réalisé par Gus Van Sant avec dans les rôles principaux Matt Damon, Ben Affleck et Robin Williams. Donc c'est édité par Studio Canal. Voilà. Donc j'ai revu le film, l'image a subi un séduisant petit dépoussiérage suivi d'un honnête gonflage en HD. Les couleurs n'ont pas le clinquant des productions actuelles. Un petit grain est constamment présent et la définition n'est pas aussi ciselée que sur les nouveautés. Mais le résultat n'est pas déplaisant quand même. Hein. Voilà. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Matt Damon, Ben Affleck et du réalisateur Gus Van Sant, un making-of, une featurette, des scènes coupées et commentées par le trio suscité, et une interview de Matt Damon 15 ans après. Alors, le pitch du film. Donc, Will Hunting est un authentique génie, mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Donc il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Donc il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du professeur Lambeau du Massachusetts Institute of Technology. Donc concernant le film, je l'ai découvert au cinéma, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Je trouve que la qualité principale de Will Hunting, ce sont des personnages bien écrits par le duo Matt Damon-Ben Affleck, qui pour le coup méritaient leur Oscar du scénario. Un scénario qui ne comporte pas de grandes surprises, mais qui offre sur un plateau de très beaux rôles aux comédiens, dont eux-mêmes. Donc je suis vraiment content de l'avoir récupéré voilà, à 10 euros sur Rakuten et de le rentrer dans la collection. Sachant que le Blu-ray est souvent trouvable sur Internet, mais pareil, hors de prix. Faut compter parfois une trentaine d'euros pour l'avoir. Voilà, j'en termine donc avec le Blu-ray d'Abyss. Donc c'est un film de 1989 réalisé par James Cameron avec dans les rôles principaux Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Michael Biehn. Donc il s'agit d'une édition non officielle. Malheureusement, on sait qu'une édition officielle c'est devenu une arlésienne. Tant James Cameron semble se désintéresser des sorties en HD, voire en Ultra HD de ses films, et désormais avec le rachat du catalogue Fox par Disney, rien n'est moins sûr quant à une future édition officielle. Donc j'ai revu le film et je ne peux que constater la très grande qualité apportée à l'image, que ce soit en termes de définition, de fluidité ou de colorimétrie. Donc cette dernière est issue de négatifs originaux 4K et présentée au format original 1.78 Open Mat, donc c'est-à-dire sans perte d'image. Donc je précise que cette édition comporte un Blu-ray de la version cinéma du film, un Blu-ray de la version longue du film, ainsi que de la bande originale d'Alan Silvestri en double CD. Donc au niveau des pistes sonores, pour les deux Blu-ray, on a du DTS HD
Master Audio ES Matrix 6.1 pour la VO et du DTS Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve donc un documentaire qui s'appelle Under Pressure. Donc c'est un making of d'Abyss. Behind the Scene, donc c'est enfin les coulisses du film, grosso modo, ainsi que divers bandes annonces. Alors, concernant le pitch du film, donc un commando de la marine américaine débarque au bord de la station de forage sous-marine de Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ses nouveaux arrivants ainsi que Lindsay, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués et s'il n'était pas seul dans les abysses. Donc concernant le film, je l'ai découvert lors de sa diffusion sur Canal+, il y a donc très longtemps. J'avais beaucoup aimé le film et j'en gardais un excellent souvenir, et je n'ai pas été déçu de le revoir dans des conditions optimales. Tout simplement un chef-d'œuvre de la science-fiction cinématographique qui prouve encore une fois le génie de James Cameron. S'il reste quelques longueurs, le tout est totalement prenant, avec des images magnifiques, même si les effets spéciaux font leur âge, et une vision du monde extraterrestre quasiment unique et surprenante. Donc je ne parlerai donc pas de prix ni de comment je me suis procuré cette édition Blu-ray. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous avais promis des vidéos spéciales présentation achat Blu-ray de films historiques et biopics, ainsi qu'une autre spéciale présentation achat Blu-ray de western. Sachez que c'est toujours en cours, mais voilà, j'ai pris pas mal de retard avec toutes mes réceptions et suite aux diverses vidéos de présentation steelbook et d'édition collector. Donc je vous remercie pour votre patience. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.